Bonjour, alors à l'approche de Noël, je voudrais déjà vous souhaiter un joyeux Noël et puis plein de cadeaux. Et puis aussi surtout vous inviter à partager un cadeau avec la nature. Hein, partager un cadeau avec la nature, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que si vous faites un cadeau à la nature, généralement, elle va vous le rendre tout simplement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, je voudrais vraiment avoir un message de plus en plus éco-responsable au cours des formations et véhiculer de l'optimisme sur la sensation que l'on peut faire quelque chose et faire basculer les comportements du comportement critique, hein, par exemple « Ah, qu'est-ce que c'est sale ici, les gens sont vraiment dégueulasses », à un comportement optimiste et proactif. Eh bien, effectivement, il y a des déchets ici, pourquoi je ne les ramasserai pas? Ça, c'est un tout petit exemple, il y a des tas de petits exemples comme ça. Hein, par exemple aussi de changer ses petites habitudes. On a chacun un comportement polluant, on le sait, si on prend l'avion, on va augmenter son bilan carbone. Si entre deux terre-pleins de ralentissement, on se met à accélérer, on surconsomme et on pollue. Donc on a tous des petits gestes à changer pour faire un cadeau à la nature. Par exemple, si vous vous brossez les dents, arrêtez le robinet pendant que vous frottez les dents et que vous ne rincez pas la brosse. Même chose quand vous vous rasez. Ou alors simplement faire des lavages à 30 degrés plutôt qu'à 60, puisque là on consomme de l'énergie. Et puis aussi se limiter à des petites doses de lessive. Donc c'est des tas de petites choses, hein. Je pourrais vous en citer des milliers. Bien sûr, je peux vous parler aussi des actions que l'on fait avec l'association Un Océan de Vie, hein, dont je suis ambassadeur, l'association faite avec, présidée par René Euset, qui participe à la collecte des déchets marins. Donc moi, ce que j'aimerais bien aujourd'hui, mon cadeau de Noël, ce serait d'avoir dans vos commentaires, hein, je vous invite vraiment à commenter ici, la piste, les petites idées positives de ce que vous allez faire de mieux en 2017, pour faire votre cadeau à la nature. Si chacun pouvait, dans un petit commentaire, nous dire ce qu'il va faire comme cadeau à la nature, hein, ça peut passer par je rincerai moins mon matériel ou je le rincerai que avant stockage plutôt qu'après chaque utilisation. Ça peut être des tas de petites choses comme ça, je suis sûr que vous fourmillez d'idées, mais ça ce serait vraiment un immense cadeau. En plus, ça permet au travers de commentaires, de vos commentaires, de les partager avec tout le monde. Donc ce serait vraiment un très bon point. Donc s'il vous plaît, faites-nous ce cadeau. Faites ce cadeau à la nature. Mettez ici en commentaire quelle petite action vous pouvez faire pour faire du bien pour l'environnement, comment le partager et ainsi de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Et puis, ben, s'il vous plaît, laissez votre petit commentaire avec votre petite piste de qu'est-ce que vous pouvez faire de positif, même si c'est une toute petite chose, pour aider à moins détruire l'environnement et donc à faire un cadeau à la nature. À bientôt.